Êtes-vous prêt à jouer à un jeu d'horreur? Eh bien c'est parti, car ça faisait très très longtemps. Yo tout le monde sur Metal Gaming, aujourd'hui on se retrouve sur Lust for Darkness. Donc c'est parti, un bon petit jeu d'horreur. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe, hein. Je l'ai découvert et ça m'a extrêmement plu. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors je vous ferai la traduction. Ok. Donc là, on commence à jouer. Donc nous sommes Amanda. Donc je vous disais, je vais vous mettre la description de ce qu'ils ont dit, hein, les sous-titres en français. Je vais me taper un sale boulot avec tout ça. Oh les graphismes. Oh putain c'est trop beau. Ok bon. Eh bah on est go les gens. Ah, je peux pas bouger là. Ah je sais pas. Je sais pas. On peut bouger là ou pas? Oh ça y est. Ok, donc je dois m'échapper de la chambre. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boîte. Ok. Tout simplement, j'ai voulu faire ce jeu. Merde, putain, j'arrive pas à le tourner. J'ai voulu faire ce jeu tout simplement, c'était pour... Il m'avait plu, j'ai lu dans la description et il m'a extrêmement plu. Oh. Une clé? Ah bah c'est pour s'échapper, c'est quoi ça? Oh. Ouais. Ah, je sais pas. En gros, si vous avez... Enfin, faites pause, hein. Mais en gros, je me suis fait kidnapper par un mec. Je sais pas c'est quoi ce signe. On va... Ah, on ouvre la porte. C'est parti. En gros, dans la lettre, c'est écrit que j'ai un rendez-vous avec un mec en tête-à-tête et il est... Enfin, c'est un truc romantique. Enfin, en gros, il m'a kidnappé, c'est du style... C'est bon. Et maintenant, je dois... Ah, putain, j'ai encore un nouvel objectif. Mais c'est génial, ça. En gros, c'est comme Monsieur Gray, hein, dans 50 nuances de Gray, hein. Et sauf que là, je me suis fait kidnapper carrément, et c'est glauque. C'est très très glauque. Je vois pas trop, c'est assez sombre. Je vois pas extrêmement où c'est que je mets les pieds. Mais en tout cas, ça m'a bien plu, je me suis dit, putain, enfin, d'horreur qui... putain, je vois... C'est toi le kidnappeur. Ah, connard. Ah, ouvre. Ouvre. J'ai pas la clé? Ah si c'est bon. Oh, oh c'est pas un bon présage ça. J'ai le cœur qui bat à donf. Il était où? Où es-tu? Je me casse, c'est horrible, ça fait flipper. C'est horrible, putain il y a une chaise et tout. Oh putain c'est un mannequin, ouf. Bon, qu'est-ce que je fous là? En gros je me suis fait kidnapper si vous avez pas compris. Est-ce que je peux l'ouvrir? Une bouteille de vin. Qu'est-ce que je peux faire avec cette bouteille de vin? Y'a quoi dedans? C'est quoi tous ces trucs? Ok, une sorte de bague, ça c'est chelou. Putain, c'est chiant que je dois tout le temps cliquer sur la boîte pour pouvoir. Et ça c'est. Ok, d'accord. On peut rien faire avec ça? En fait, j'ai fait ça pour rien, hein, c'est génial. On va essayer de monter là-haut. Oh putain, tous les masques! C'est les masques du mec ça! C'est chelou! C'est extrêmement chelou, putain. Ok, putain, le mec, il... Oh, il doit faire... Oh, lui, c'est le plus flippant, lui. On est dans un truc bizarre. Là, on entre, c'est dans une... C'est une chambre, ça. Oh, c'est une lune. Et il va me violer, là. Qu'est-ce... Is this some kind of twisted joke? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais... Encore un masque? Avec trois visages, c'est chelou. C'est très bizarre, ouais. Ok, je peux rien faire avec. C'est bizarre, c'est quoi ça? Oh! C'est des sortes de... C'est des langues. Et je me mets genre... Oh, c'est dégueulasse. Ça c'est pour... Ah! Ça fait grave penser à la chambre de Monsieur Gray, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. C'est immonde. C'est... Ah, ça aussi c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh
putain, ah la frayeur. Ah mais mec, mais refais plus ça. Oh. Quoi? Quoi? Je me suis fait violer? C'est extrêmement chelou, ça me fait des frissons, c'est dégueulasse. Je me fais violer là en ce moment même là. En fait, il y a des années qui vont passer là. C'est très glauque. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je suis une femme qui s'appelle Amanda. Je me suis fait kidnapper par un monsieur gré, hein, entre guillemets. Et ben là, je viens de me faire violer. Et là, maintenant, je sais pas ce qui va se passer, mais ouais. Continuer. Ah oui, je veux continuer. C'est une démo, hein, je tiens à vous le préciser. Le jeu va sortir très prochainement. Ah-ta-ta-ta-ta-ta. Who are those people? I have a bad feeling about this. Les graphismes sont super beaux. Bonjour mesdames. Ça, vous allez bien? Ça va? Je m'incruste. On va monter là-haut, on va voir ce qu'il y a. C'est, en tout cas, ce que je comprends là, c'est que je suis son petit ami. Là, c'est quelques années plus tard, je suis son petit ami et je dois en gros enquêter sur ce qui s'est passé avec ma copine. Je crois. Oh, bonjour monsieur. Je crois que c'est ça, c'est assez glauque, j'aime bien les histoires comme ça. Bon, c'est super glauque, mais j'aime bien. C'est... Ah, c'est les masses du tout à l'heure, là, du mec. Bon, on se dépêche, on va visiter là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça, là? On va... C'est fermé. Ok. Eh ben, on va tout droit. Là, c'est fermé. C'est fermé, tout est fermé, génial. Ok. Ah, une porte ouverte, enfin. Bonjour! Y a-t-il des trucs à prendre ici? Non, y a rien, ok. Génial. Ok. Oh. Attends, c'est pas ma copine? C'est ça qu'il a dit? That hair looks just like Amanda's. Si, c'était Amanda, hein. Si, si, si. That'd be too much. Non, 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 c'était Amanda, je suis sûr que c'était elle. Ah bah d'ailleurs, faut que je la suive. Je vais suivre Amanda. Je vais suivre Amanda, Amanda. Ah ouais, putain, c'est très glauque, c'est très glauque. Je sais pas si je dois vous flouter ça au montage, mais c'est très glauque. J'espère que j'aurai pas des soucis avec YouTube. On va espérer que non. De toute façon, c'est des statues, hein. C'est un jeu, enfin, je pense pas qu'ils vont me strike pour ça, hein, YouTube. Oh, c'est l'ambiance, elle est creepy. C'est hyper glauque. These paintings, perfumes, just like in Amanda's room. C'est la chambre à Amanda. She lives here, and she left me just like that. What the fuck is this? What the fuck, ouais, comme tu dis, ouais. Je vais enquêter sur la chambre d'Amanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Bordel, Amanda, pourquoi tu restes dans ce truc? Tu es prisonnière ici? Le mec te veut que toi? Mais je t'aime, Amanda, reste avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on doit faire, purée? Je ferme la porte, on sait jamais, hein, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, comme tout à l'heure, addict. Oula, c'est très glauque. C'est très très glauque. Je comprends pas, c'est assez flou, là, déjà, rien que le début, il est flou. Putain, je peux rien interagir, je vais faire comment, là? Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Ok. Amanda's favorite perfume. I'd recognize it anywhere. Ouh, c'était le parfum préféré de ma copine. C'est très bizarre tout ça. On dirait qu'elle s'est fait... Ah, je sais pas. Elle est devenue soumise au mec. À moins qu'il l'a menacée de mort. Enfin, je sais pas, c'est très... Très creepy comme ambiance, c'est bizarre. Mais je fais quoi, moi? J'interagis comment ici, là? Non, y a... Ah, c'est ça que j'avais pas vu. Il faut qu'on interagisse avec la boîte, je crois. Attendez, je vais réessayer. Il y a des trucs ici, il y a des symboles. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je vois. Faut que je rassemble les symboles. Et ben voilà. C'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Oh. Waouh, ok, ça m'en fout des frissons. Je vais vous faire la traduction, hein. Je vais pas vous le lire là maintenant.
So it's true. She's really here. Dear God, at least she's alive. I need to get her out of here, somehow. C'est très très glauque. En gros, elle m'a demandé de la pardonner parce qu'elle a fait des trucs. Enfin, elle me dit que je vais comprendre plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? What? Oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est quoi ça? On dirait un truc vaudou, chelou. Ah bah, c'est redevenu bizarre. Enfin, c'est redevenu normal plutôt. Oh, la musique en plus, on la connaît bien cette musique. Et il n'y a plus aucun invité. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Le jeu est super bien fait. J'aime énormément la tournure que prend ce jeu. C'est inattendu, c'est super bien. C'est dommage que c'est une démo. C'est bizarre. On peut pas interagir avec les vêtements, ça. Ok. On va rentrer dans ce lieu bizarre. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est des menottes. Ok, bah des très vieilles menottes, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh, oh, c'est... Excusez-moi, madame. Bonjour. Je peux pas interagir avec vous. Ok. C'est quoi là-bas? C'est très sombre. Ok. Oh, encore une... Ouh, ouh, ah. Bonjour, madame. Ok, on va pas interagir avec vous, hein, parce que... bonjour. Putain, j'espère que... Non, mais YouTube, ce n'est pas de ma faute, YouTube, s'il vous plaît. C'est pas moi, c'est le jeu. J'ai joué au jeu. Je crois que je vais quand même censurer les petits trucs là, parce que c'est quand même dégueulasse. Le mec, il était en train de lécher la femme. C'était... Je sais même pas pourquoi je le dis, en plus. C'est quoi, ça, là-bas? Qu'est-ce qu'il fout? Il regarde un trou. Un trou blanc lumineux. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que... J'aime énormément quand il y a plein de trucs comme ça, là. De mystère, c'est assez... C'est étrange, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Ok, ouais. Est-ce que je peux passer par là? Dis-moi que je peux... Oui, on peut. Oula, oh non, ça je le sens pas là. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh non, c'est pas ce que je pense. Quoi? Quoi? Je peux plus interagir là, je peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire, j'ai les mains, je peux plus rien faire, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ils sont partis loin là dans le truc. Oh non! C'est la fin de la démo! Oh, merci d'avoir joué à la démo de Lust for Darkness. Et bah les gens, c'est comme ça qu'on s'arrête sur la fin de cette vidéo, tout simplement. C'était un jeu extrêmement bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas d'ailleurs si vous voulez que dès qu'il sort, on fasse le jeu complet, parce qu'il m'intéresse énormément. J'ai bien aimé l'histoire. C'est intriguant. T'as envie de rechercher ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a violée. Pourquoi elle reste dans ce sort de manoir avec ce mec qui l'a torturé, qui l'a violée? Ça m'a énormément plu. Vraiment là, je suis waouh, waouh là, franchement. Mais dès qu'il sort, mais je vais jouer directement, les gens. Il est disponible sur Steam. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais prochainement je pense. Et franchement, énormément bien, énormément surpris, j'ai bien fait. Dites-moi si ça vous a plu en bas dans la description et mettez-moi un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis peut-être qu'on va se remettre, hein, dites-le moi en commentaire, hein, je suis bien curieux de ce que vous en avez pensé. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, salut tout le monde. Et c'était un très bon jeu d'horreur. Ciao.